Salut tout le monde, c'est Brick Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour la live construction du set Lego Star Wars référence 75089 qui est le Genosis Troopers. Donc je l'ai acheté à 15,99 à Kingsway aussi, hein, puisque je compare au précédent set 2015 que j'ai acheté, donc qui est le Senate Commando Troopers. Voilà. Donc le devant de la boîte avec toujours le petit icône donc du truc nouveau là, voilà la petite marque Disney puisque Star Wars a été racheté par Disney si vous savez pas. Donc le casque pour le nouveau design 2015, ici donc un airborne clone en A1 donc en taille réelle, une autre image du set, ici les différents systèmes que je vous montrerai pas longtemps puisque j'ai pas envie de vous spoiler en quelque sorte, puisque de toute façon je vais vous montrer dans la vidéo. Donc toujours deux sachets comme pour l'autre et toujours une petite notice, voilà, de la même taille aussi, avec la gagne aussi qui a changé. J'ai vraiment hâte de construire les personnages parce que franchement c'est... Bon après je sais, il y en a beaucoup qui ont vraiment détesté ces clones, hein, parce que j'ai entendu des réflexions en disant que c'était pas des vrais clones de Genosis puisqu'ils ressemblaient pas du tout. Mais moi je m'en fous en quelque sorte, je m'en fous que ce soit pas les vrais, mais en tout cas j'aime vraiment leur couleur et tout. Ils sont vraiment classe. Donc j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu... Ah non, non. Il y a à peu près le même nombre de pièces, je pense, que l'autre. Voilà. Donc, on construira les personnages, hein, comme à la fin. Bah, comme à la fin, comme d'habitude, voilà. Et donc, on commence avec une pièce 2x6, voilà, noire. Sur cette pièce, on va mettre deux pièces 1x2. Grise claire avec des tenons comme ceci, donc pour faire... là ça va être un petit je sais pas comment appeler ça, un clone walker, voilà, qui ma foi a l'air assez sympa, voilà, j'ai du mal à parler, désolé. Bon, bref, on se concentre sur notre construction, donc on en met deux comme je viens de vous dire, et là on va mettre une pièce, alors vraiment classe, hein. Une pièce à moitié marron-orange. C'est vraiment cette couleur que j'adore dans ce set. Et les clones sont cette couleur aussi. Par-dessus, on va mettre une pièce 1x6 noire. Et on va remettre une pièce 1x2 de la couleur que j'adore. Voilà. Comme ceci. En dessous, on va mettre une pièce. Alors que j'ai déjà vu dans le mini X-Wing. Donc une pièce comme ceci, voilà. Assez bizarre. Alors qu'on met comme ceci. Voilà. Ici, on va mettre une brique 1x2 avec un trou au milieu. Donc rond. Voilà. On va mettre une pièce 1x1 circulaire grise foncée. Voilà. Là, qu'on met. Alors ici. Et on va mettre 3 pièces 1x1 avec des crochets, voilà, dans ce sens là. Donc on en met un là, et là. Et un comme ça. Ça fait un angle droit, voilà. Sinon. Alors, on va prendre une pièce, deux fois quatre, grise claire. On va mettre une pièce, 2x2, grise foncée, qu'on met comme ceci, voilà. Et ici, on va mettre deux pièces, 1x2, avec un crochet à l'avant. Donc, qui sont... là, on a un là, une pièce ici, et l'autre là, voilà. Donc, ça donne ça. Donc ça, on va mettre comme ceci, voilà.
Y a pas mal de crochets partout, hein. C'est vraiment sur les nouvelles notices parce qu'elles se mettent pas droite. Voilà. Donc sinon, ici, pour attacher quelques pièces, on va mettre une pièce 2x4 grise foncée cette fois-ci. Et une pièce 2x4 couleur marron-orange, que j'adore encore une fois. Voilà, elle est vraiment classée de couleur. Alors, est-ce qu'elle est déjà sortie dans un set? Je ne sais pas. En tout cas, moi, à ma connaissance, je ne crois pas. Sinon, en tout cas, j'adore cette couleur. Sinon, on va mettre une pièce 1x2, donc siège noir. Et une 1x2 noir fromage. Ça donne ça. Voilà. À l'avant, on va mettre une pièce 1x2, une petite sorte de siège. Voilà. Comme ça. Une grise claire. Donc ça, on va laisser de côté vite fait. On va prendre une pièce 2x2 grise foncée. On va mettre deux pièces 1x2 avec deux crochets. Dans ce sens-là. Donc on en met deux. Voilà. Par dessus on va mettre ici une pièce 1x2 avec un tenon et pas un crochet. Voilà. Et on va mettre une pièce 2x2. Alors comme ceci, voilà. Mince. Mince. Voilà, comme ceci, elle a une sorte de. Elle est penchée, voilà. Et donc c'est la couleur orange marron. Et en dessous, on va mettre, alors dans quel sens? Dans le sens là, ok. On va mettre une pièce comme ceci. Normalement, on l'attache avec quelque chose pour la faire pivoter, mais là, non. Bah, là, ceci. Bref, vous allez voir. Donc ça, on va la rattacher, justement, au crochet, ici. Oula. Cool. Voilà. Et donc ça, on va dans quel sens on va le mettre par contre Ok, on le soulève. Donc là, à fond, d'accord. Vous voyez, ça se met parfaitement bien dedans. Ensuite, on va faire une sorte de portière, on va dire ça, comme ça. Donc on prend une pièce 1x2 avec un tenon, qu'on pose, bah, qu'on clip sur une pièce 2x2 grise foncée. Ici, on va mettre une pièce, alors, comme ceci, non, pas comme ça, comme ça. Voilà. Et donc ça, on va rattacher par une pièce 2x2 circulaire plate. Voilà. Et donc ça, on la met ici. Hop, voilà. Donc on peut pas la rabattre à fond parce que ça bloque. C'est fait exprès. Donc là, on va faire la même chose, mais en effet miroir. Donc, une pièce 2x2. Une pièce 1x2 avec un tenon. La pièce comme ceci. Et la pièce plate 2x2 sur le fer. Donc ça, techniquement, forcément, on va la clipper de l'autre côté. Alors, là on va retourner donc notre structure. On va prendre une pièce, alors comme ceci, grise foncée. On va mettre une pièce qu'on met en général pour faire un gros blaster. Donc dedans. Moi je prends en général hein, parce que c'est normalement c'est une pièce friction. Bref. Et on va mettre une pièce à tenon comme ça. Donc ça, vu qu'on l'a retourné, on va le mettre. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc ça, on peut la faire pivoter. Je sais pas à quoi ça va servir. Et en dessous, on va mettre une pièce 2x2 avec ça en dessous. Voilà. C'est fait en un moule. Ça, ça se relie en fait, si vous voyez. Vous voyez, ça fait un trou. Ça fait. Voilà. Ça passe comme ça. Hop. Donc, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est un missile, c'est sûr. Mais ouais, ça doit être ça. Moi, je sais pas. Bref. Donc on prend une petite barre avec un cran de sécurité donc pour que ça s'arrête. Donc on le met. Donc bah du coup on le fait passer où je disais. Voilà.
et une pièce minigun jaune. Voilà. On enfonce bien pour pas que ça on puisse enlever. Et on met une pièce comme ceci, une grise claire. On met au bout. Au bout, j'ai dit. On va au bout, en fait. On met un peu de points. Là, on va prendre une pièce, bah, une petite, petite truc comme ça rouge, et comme une pièce tout à l'heure, mais cette fois-ci elle est noire, voilà. Mais ça comme ça. Alors, il me semble que d'après ce que j'ai vu sur le Cone Walker, que c'était une sorte de petit canon, je pense, parce qu'en tout cas moi c'est ce que j'avais fait. Bon, je l'avais fait moi-même, hein, je l'avais inventé, hein, parce que j'avais jamais vu ça auparavant. Et donc là, je pense que ça doit représenter un canon. J'avais fait ça dans un une sorte de robot Lego Star Wars du Storm que j'avais présenté d'ailleurs en vidéo. Voilà, c'est moi qui avais trouvé le truc. Bref, donc là on va prendre la nouvelle pièce et l'autre nouvelle pièce, je pense, pour faire tourner, hein, vous allez voir. Donc ça, on la met, ok, comme ça. Non, si, là, comme ça. Ok, d'accord, ça va bien, c'est bon. Là, on va faire les pattes. Donc, on va faire x2, donc je vais faire x2 directement ici. Donc, on prend une pièce de x2 comme ça, avec comme ça, noir. Alors, on va le mettre comme ça. On va prendre une pièce comme ceci, grise foncée, qu'on met sur les clips devant. On va prendre une pièce comme ça, voilà, donc 2 x 4 avec des tenons, voilà. On va mettre une pièce radiateur en fromage, donc orange marron moitié, voilà, la couleur des Genosis. On va mettre une pièce 1 x 2 avec des tenons, comme pour l'autre, mais celle-ci est plus courte, parce que c'est 1 x 2 et l'autre c'est des 1 x 4. Donc là ils disent de l'équiper directement, mais moi je vais continuer à les finir. Bah, je vais finir. Et donc là on va mettre une pièce comme ceci, voilà. Hop. L'autre comme ça. Là. Et une pièce fromage. De la couleur de Genesis. Ça donne ça, voilà. Et donc ça, alors on prend le truc comme ça, ok, une et deux, allez, ça c'est bon, ça c'est bien mis. Ensuite on va mettre l'antenne. Ah ok, qu'on clip dans la petite, ok, ça c'est que la antenne, hein. Je tiens à le dire. Dans le truc de minigun à moitié, moi j'ai pas ça comme ça, on va mettre. Enfin, on va le faire tourner, sinon ça va... on pourra pas mettre. Voilà. Donc on met les 6 pièces pour lancer. Hein. C'est un peu galère pour mettre. Hein. Hop. En tout cas, le bleu est vraiment très classe. C'est pas un bleu turquoise comme les 2014. Donc on va quand même plier les jambes. Hein. Donc on a... Alors sur le truc, c'est mis qu'on plie comme ça. Celle-là. Comme ça. Et celle-là comme ça. Ouais, c'est ça. Waouh, il est classe! Ah oui, il fait vachement plus fin pourtant dans la vraie vie. Bah. Oui, dans la vraie vie. Parce que je sais pas, sur la boîte, il fait vachement gros. Mais il fait assez balèze. Que là, ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. On peut comparer un peu.
C'est parce que c'est une vue aussi plongée. Contre plongée. Je crois que c'est ça. Donc là, on va faire les clones. Et on va passer au mécanisme. Donc alors, les clones. Lorsque la tête que j'aime bien. Yes! J'adore cette tête. Je suis trop fondant. En plus, je crois que c'est pour les airbones. Il y en a deux. Dites-moi, il y en a deux. Yes! Trop bien. Donc on va faire d'abord les airbones. Airborne. Donc les parachutistes pentes. Hein. Comme pour Utapo. Même chose. Sauf que là, ça donne cette couleur. Faut pas que je me trompe. Ah bon, c'est tous la même chose pour le bas. Ah, j'étais persuadé que non. Oh bah si, apparemment. Donc. Comme pour Utapo, sauf que je vous ai dit, il a une couleur à changer. Mais bon, ils sont quand même classe. Voilà. Leur tête, donc pour les airborne, c'est la nouvelle, donc voilà. Là, il fait pas, il est pas en rage, voilà. Et leur casque d'airborne. Par contre, pour les airborne, là, ils ont pas de Kama. Bon, ça va, ça fait bien ça. Donc, les nouveaux blasters. Bah, les nouveaux. Les blasters de 2014. Que je suis pas très très fan. Hein. Franchement, je préfère les blasters qui sont pas mécanisés. Automatisés. Bah, pas automatisés, mais bon. On peut lancer, voilà. Donc, un airborne. Silence complet. Deux airborne. Hop. Oula. Ensuite, on va passer au clone normal. Hein. Bah, au clone normaux plutôt. Ouais. Donc, le bas, donc c'est la même chose. Le torse. Donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de lanière, donc vu que c'était pas cher à chutiste, hein, les autres, c'est logique qu'ils ont quelque chose. Voilà, là c'est pareil aussi, ils ont une petite lanière hein, par-dessus. La tête, donc, qui reste toujours la même, en hein, 2014. Et leur casque. Oh, ils sont vraiment classe. La couleur, j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais. Désolé de pas être dans HD, hein, comme je vous le dis tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bah, pour moi, c'est tout à l'heure. Voilà. En tout cas, ils ont bien géré quand même les 7 2015, j'aime beaucoup. Rien que les deux là, déjà, j'aime beaucoup. Alors, s'il y en a un que je préfère des deux, je sais pas lequel choisir, parce qu'ils ont tous les deux leurs qualités. Hein, parce que celui-là, le Clone Walker, il est vraiment classe. Je vous le remontrerai après. Les droïdes également. Les droïdes, les clones également. Et pour l'autre, c'est pareil. Le petit canon est vraiment classe. Et les clones aussi sont pas vachement bien. Bah les clones sont moins bien que ceux-là. Moi j'aime beaucoup en tout cas ceux-là. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est les pièces en double. Donc voilà. Donc pour les mécanismes. Donc déjà pour celui-là. Donc vous connaissez hein, la chanson. Si vous avez vu ma précédente vidéo. Voilà donc ça on fait tourner ça et ça. Hop, voilà. Donc je tire pas en rafale hein, comme j'ai dit pour la précédente vidéo aussi parce que moi je suis sur mon bureau et j'ai pas envie de perdre de pièces. Bon, même si j'en ai plein en réserve, mais bon, voilà. Pièces ça fait toujours pas de mal. Donc pour les mécanismes des blasters, hein, je pense que ça tout le monde le connaît, mais bon, je vais quand même le montrer parce que c'est. Wow, ça a vachement plus de puissance en tout cas que les autres. Hein. Bah vous me direz, j'appuie pas beaucoup non plus, mais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'avais juste oublié de vous dire qu'on pouvait mettre les blasters ici pour ceux qui se soient dedans. Donc c'était la review du set Lego Star Wars sorti en 2015, référence 75089. Donc le Genosis Troopers. Donc j'ai acheté à 15,99 à King Jouet. Et franchement j'adore ce set. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et puis salut.